C'est une ville carrefour, à la fois un carrefour ferroviaire, c'est la grande gare de triage du Sénégal, vers où convergent et les trains de voyageurs et les trains de marchandises. Et c'est un carrefour routier entre la capitale et les villes saintes. Et cela correspond en fait au parcours des enfants de la rue, entre la capitale et les villes saintes, et entre Dakar et la capitale du Mali, Bamako. Il va venir au conteneur ce soir ? Bonjour, les gagnants, les dingues. Hein ouais. On va soigner ça, hein. D'accord. T'oublie pas, hein. Qu'est-ce qu'il a à la main? Ta narine qui a explosé. Tu vas venir ce soir, hein. Il est chez quel marabout, lui? Tiag Nenek. Tiag Nenek. Faut lui en parler, hein, pour qu'il vienne absolument. Il est Bonne nuit. Nous sommes en train de rouler vers la gare de Thiès. Des gamins ont en effet signalé à Nelly la présence d'un enfant qui traîne sur les voies ferrées. T'inquiète pas, il ne va rien faire. Il va te soigner. Il s'occupe de ta libé. Ouais. Hein? Je rentre. Je rentre dans une bini. Oui. Non, fan, c'est pas du tout comme mal. Je ne suis pas du mal. Dans un premier temps, il nous a dit que ses parents, qu'il était dans une école coranique. Les renseignements qu'il nous a donnés nous font penser qu'il n'y est pas. Il nous dit que finalement son papa est un artisan, un laobé au village artisanal et qu'il habite à Kerchef. Et donc il nous... on lui a dit, bon d'accord, est-ce que tu veux bien nous montrer ta maison? Et il veut bien, mais il veut que la dame vienne. La dame, elle n'a pas envie de venir. Donc on suit le taxi qui les conduit normalement à la maison de... où habite cet enfant. Et cet enfant était visiblement livré à lui-même alors? Bah oui, puisque là où il était, c'est un lieu qui est fréquenté par des enfants qui ont quelques difficultés avec la rue, des enfants qui errent en général. Saliusso, c'est le garçon qui est en jean debout. Devant lui, il y a son grand-père et à sa droite, son oncle. En fait, on est dans une famille de laobé. Laobé, ce sont les personnes qui fabriquent les djembés. Ils nous ont expliqué que cet enfant est orphelin de père, vit avec eux. Eux, ils voudraient qu'il apprenne le métier de tailleur de djembé, enfin, travailler le bois. Mais lui, au lieu de faire ça, il part traîner dans les rues. Comme l'enfant est un peu inquiet, nous avons proposé à son oncle, qui est responsable de cet enfant, de voir avec lui si ça l'intéresse qu'il rejoigne les autres enfants avec lesquels on travaille pour qu'il apprenne un métier ou pour qu'il soit scolarisé. Et donc, il a proposé de venir samedi matin nous voir et qu'on puisse discuter tous ensemble avec les animateurs et avec le consentement de Saliou pour qu'éventuellement il nous rejoigne. C'est ici que doit venir Saliusso, ou
plus tôt qu'il aurait dû venir, car on attend toujours sa visite. Nous sommes au foyer, au lieu d'accueil de l'ONG. Quelques maisons, une infirmerie, une école agréée par l'État, une case traditionnelle, un périmètre de maraîchage, un terrain de sport permettent d'héberger, de nourrir, de soigner, d'aider quelques dizaines d'enfants recueillis dans la rue. Autour de Nelly, un petit groupe d'animateurs s'occupe des enfants. Monsieur Thiam, coordinateur de l'association. Madame Thiam, son épouse. On a ici des fixettes, des seins ouverts. Habib, éducateur sportif. 200. 200, très bien. Sangagay. 800. Tu parles fort. Ah, Sang, il faut que tu parles fort. 809, très bien. Dans l'école de rue fondée. Calcul, addition et soustraction posée sans retenue. 23 plus 10. La nani dit qu'à non, on lève la main. Okay. Moussa. Et enfin Germain, qui s'occupe entre autres des deux lieux d'accueil installés. L'un à la gare ferroviaire, l'autre à la gare. À l'origine, l'objectif c'était de rejoindre les enfants de la rue dans leurs lieux de vie les plus intenses. L'idée est venue des petits mécaniciens qui ont repéré dans la casse en fait, des voitures un conteneur qui était un peu abîmé et nous ont proposé de le remettre en état pour faire leur école de rue. Le Thiès a la très grande gare routière régionale et juxtaposé tous les ateliers de mécanique où les cars et les voitures de transport en commun se font réparer. Donc dans chaque atelier, il peut y avoir plus de 10 à 15 enfants. À partir de 7-8 ans, des enfants peuvent être placés dans les ateliers. À quelle heure tu arrives le matin ici? À 9h. À 9h? Et tu quittes les ateliers à quelle heure? À 6h, 6h, demain 7h. Et tu es payé pour faire ça? On te donne de l'argent pour faire ça? Non. Ils sont gentils? Oui, oui, ils sont gentils. Ils travaillent bien? Ils travaillent très bien. Et ils sont payés? Hein? Ils sont payés? Payés, non. Ici. Il y a beaucoup de travail, mais il n'y a pas beaucoup d'argent. Nous apprenons des lectures en calcul, ouais. En n'importe quoi des affaires dans cette classe. Et c'est bien d'apprendre ça ici? Oui. Ça va te servir à quoi? Pour faire une facture. L'important, c'est effectivement de leur apprendre les bases de la lecture. Surtout savoir préparer des petites factures, savoir un peu gérer leur stock, leur matériel, savoir mesurer. Et à partir de ce moment-là, le patron ne considère plus de la même manière l'enfant apprenti, parce qu'il peut effectivement lui confier des tâches. C'est l'objectif de l'école complète. Wow. Hey, Kai, viens ici. Donne-moi le conteneur, boy, il y a hein? Des enfants. Hey. Kai, boy, il y a venez, les enfants sont là-bas. Les enfants de la gare ferroviaire ont revendiqué le même droit. Et donc, les enfants de la prison qui disposent d'un atelier de formation en menuiserie métallique
on construit le conteneur des enfants de la gare ferroviaire. À la gare ferroviaire, les deux types d'enfants qui arrivent sont des enfants qui sont dans des situations extrêmement précaires. Soit ils viennent d'arriver par le train, soit ce sont des petits talibés qui vivent dans des daras sans hygiène et le plus souvent confrontés à la sous-alimentation. Vous m'avez dit qu'il y a un certain nombre d'enfants qui arrivent dans cette gare de Thiès. Alors combien en arrive-t-il par jour ? En temps normal, c'est une dizaine, une quinzaine. Et puis il y a des périodes de gros flux, c'est les périodes liées au pèlerinage des villes saintes alentour. Là, ça peut être plusieurs dizaines en un seul jour, qui viennent soit des autres régions du Sénégal, soit du Mali. Et là, il y a combien d'enfants alors dans l'association ? Le lieu d'accueil ? Oui. Dans le lieu d'accueil, il y en a 50. Et sur l'ensemble des sites, chaque jour, on touche entre 250 et 300 enfants. Dans le foyer, bon, je joue le rôle d'une maman. Et je suis chargée aussi du suivi scolaire. Oui, parce que les enfants, en général, quand ils viennent ici, ils ont perdu, c'est des enfants qui n'ont plus d'affection, qui ont perdu l'affection. Bon, je joue le rôle d'une maman, bon, j'essaie de combler le vide affectif qui leur manque. On jouait les voyous. Mon père m'a surpris et m'a battu. Plus tard, je suis partie avec la bande de courant. On a volé de la farine de mille et je suis allée là-bas. Après, je me suis enfuie avec Mouche. On s'est fait attraper et on nous a battus. Je suis partie chez moi depuis 5 ans. Chez moi, on me battait tout le temps. Et on m'envoyait faire des courses. Si je refusais d'y aller, la femme de mon père me battait encore plus. Quand je l'ai dit à mon père, il ne m'a pas cru et il m'a battue. Je suis partie chez ma mère qui m'a dit de retourner chez mon père. Il m'a encore battue et je me suis enfuie à nouveau. Quand tu es arrivée à Thiès, tu dormais où ? J'ai volé parce que j'avais faim. Voilà les camions frigorifiques, semblables à celui où l'on a enfermé Eliman. Nous sommes au marché Saint, l'un des lieux de prédilection des enfants. C'est là qu'ils viennent très nassés, seuls ou en groupe, travailler, gagner quelques sous, voler de la nourriture et de l'argent. Ils y croisent de nombreux facteurs, ces adolescents déglingués par la drogue. Image tragique, insupportable, c'est là que nous les filmerons. Après, mon. Vous l'avez encadré à l'association, il veut retourner, y retourner. Ouais, c'est ce qu'il dit en permanence. À chaque fois qu'on le croise, il dit qu'il veut revenir au périmètre. Donc on dit ok, il n'y a pas de problème, c'est sûr qu'il ne va pas venir. Mais c'est pas grave, quoi. Ça fait partie de la relation. Fakman, en Wolof, grosso modo, ça veut dire... une feuille qui s'est détachée de l'arbre, c'est le symbole de la rupture avec la famille.
C'est des jeunes qui non seulement n'ont plus de lien avec leur famille, mais sont dans une situation de conflit extrêmement fort, qui sont à la rue depuis plusieurs années, qui se droguent sans exception et qui ont une vie extrêmement violente dans leurs rapports, ce qui fait qu'ils sont très régulièrement blessés. Et ils ont tendance à racketter les petits enfants de la rue pour les envoyer faire ce qu'ils appellent des courses, pour aller acheter le diluant ou aller voler des choses qu'il est plus facile pour les petits de faire que pour les plus grands. Pour la société thiessoise, c'est le pire de ce qui peut exister, quoi. Un Fachmann, c'est vraiment le fléau dont il faut que la ville se débarrasse. Parce que bon, depuis le début de l'an 2000, après il y a des fractures, quoi. Si les Fachmann n'ont pas l'opportunité de trouver un chemin qui leur permet de sortir de ce milieu très violent, la plupart meurent relativement jeunes. C'est-à-dire, il est rare qu'un Fachmann dépasse les 18-20 ans. Le marché Sam est aussi un terrain de choix pour les petits. Ces gamins qui mendient avec un petit sourire. Il a 12 ans. Là, qu'est-ce que tu fais le matin? Là, du riz et un petit sac de mil. Bon, le sucre, c'est pour donner au marabout pour qu'il fasse le thé. Le riz, c'est pour le repas de midi, pour le tiboudienne. Il donne à la femme du marabout et elle fait le tiboudienne. Et le mil, c'est pour la bouillie du soir. Tous ces aliments-là, qui sont des aliments propres, il va le donner au marabout. Et le marabout va préparer son propre repas pour sa famille avec ses aliments propres. Après, il va renvoyer mendier les enfants qui, eux, vont récupérer les restes des familles qu'ils vont donner. Et c'est ça que les enfants vont manger. Donc, tu vois, regarde, il y en a un qui attend le petit bar pour que les gens qui sont en train de manger lui donnent quelque chose. Tu vois, derrière là, le rideau, ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Et les enfants attendent et des gens vont lui donner un peu de pain ou un peu de la nourriture qu'ils sont en train de manger. C'est pour ça qu'ils attendent. Un talibé, c'est en fait un enfant confié à un marabout chargé de son encadrement sur le plan spirituel.
coranique qui est chargé de lui enseigner le Coran. Mais le marabout n'étant pas payé par les familles, les enfants allaient aux heures de repas quémander dans les familles du village de quoi manger, ils rapportaient, ils mangeaient. C'était une forme d'organisation sociale. Maintenant, avec la prolifération de ces marabouts, les problèmes économiques étant restés les mêmes, les enfants vont toujours quémander, mais il y a de plus en plus de marabouts qui profitent de ces enfants, parce que les enfants ne rapportaient pas que des repas, ils rapportaient aussi de l'argent. Ils rapportaient beaucoup de choses, c'était une source d'enrichissement. C'est ce qu'il a gagné ce matin. Pour lui, ça y est, c'est bon. Il rentre, il va se reposer. Il a ce qu'il lui faut. Donc ça fait 365. La vie dans une dara, dans la plupart des daras qui ont rejoint les zones urbaines, est en soi une vie de maltraitance. Un enfant de 6 ans que l'on oblige à mendier de 8 heures le matin à 9 heures le soir, comme on le voit au carrefour des routes, en soi c'est déjà une maltraitance. Régulièrement, ils sont battus parce qu'ils ne rapportent pas ce qui leur est demandé ou parce que lors de l'apprentissage, ils ne sont pas aussi studieux qu'on le souhaiterait. Oui, mais cela fait partie d'une tradition. Donc oui. C'était pas considéré comme une maltraitance et on peut penser que les choses ont empiré, non ? Voilà, alors tout le débat se situe là. De nombreuses personnes aujourd'hui adultes ont connu les daras et disent ça fait partie de notre éducation. Mais il y a eu des déviances fortes et on est passé de cette sévérité, dirons-nous, à de véritables maltraitances. Est-ce que tu ne ramènes pas si tu ne ramènes pas ce qu'il faut ? Oui. Baba est un enfant qui vient de Gambie, qui a été confié par ses parents à marabout pour apprendre le Coran. Mais il a subi des mauvais traitements, il était battu et enfermé, probablement parce qu'il n'avait pas vraiment envie d'apprendre le Coran. Ils m'ont enfermé et battu jusqu'à ce que je tombe malade. Boum. C'est des cordes quoi, des ficelles, des fils de courant et tout ça. Quand on est donc là, en général, ils sont battus sur le dos, ils ont le dos lacéré de coups. Il y a également des sévices qui ont des conséquences plus graves, qui sont lorsqu'il y a des nuits de prière et quelquefois les enfants s'endorment et on leur met des charbons ardents dans les oreilles et ça brûle les tympans. C'est ce qu'avait eu Koso, c'est pourquoi il était sourd d'une oreille, ça c'est irréparable. Et les plus turbulents, enfin ceux qui sont considérés comme les plus turbulents, peuvent avoir soit des fers, c'est-à-dire deux bracelets aux chevilles avec un bar de fer derrière, ce qui leur permet de se déplacer un petit peu, mais c'est très douloureux, soit être enchaînés au mur. Bon, ça peut durer jusqu'à un an en fonction de la turbulence de l'enfant. Et pendant ce temps-là, ils ont une alimentation très pauvre, quoi. Par exemple, de la bouillie sans sucre, sans rien. Jusqu'à ce qu'on estime qu'ils sont redevenus un peu plus disciplinés. Il est dans les quatre grands. On nous tenait les bras tendus et on nous frappait. Des fois, il y a deux qui te tiennent les bras et il y a un qui te frappe. Il était fille. Il dort. Sinon, on te tient les jambes et les deux bras et on te frappe. Il a encore les traces. Vous voyez ? Regardez cette cicatrice-là. On m'avait frappé avec une cravache et même sur mon dos. Ce qu'on voit, c'est depuis quoi ? Ça, c'est les traces de ce qu'il racontait. C'était en 93.
Et quand ils arrivent, on voit les traces, c'est-à-dire le dos est lacéré de coups. Donc, comme on recherche les parents, mais ça peut prendre du temps, la manière dont on procède, on fait une photo des blessures de l'enfant. On la fait certifier au commissariat et on la garde. Parce qu'entre le moment où il est arrivé comme ça et le moment où on retrouve les parents, il est guéri, heureusement. Et on remet ça au père de manière à ce qu'il ait les éléments pour réfléchir et savoir s'il va vraiment retourner l'enfant à la Dara ou s'il va accepter qu'il vive avec lui. Bon, quand ils ont été enchaînés, ils ont des problèmes de motricité, de mobilité. C'est-à-dire qu'ils ont les membres atrophiés parce qu'ils n'ont pas marché pendant très longtemps. Soit c'est gonflé, soit ils sont très faibles. Donc il faut qu'ils prennent le temps de réapprendre à marcher et de retrouver la vitalité. C'était par exemple le cas de son copain Koso. Il ne pouvait pratiquement pas marcher quand il est arrivé. Bon, petit à petit, ils retrouvent leur force. Ils peuvent avoir les fers comme ça à partir de l'âge de 3-4 ans. On a vu dans certains lieux où ils arrivent même pas à la vitre d'une voiture, donc ils sont tout petits et ils ont les fers. Ils ne sont pas enchaînés, mais ils ont les fers. On dit que c'est parce qu'ils veulent fuguer pour retourner chez leurs parents et pour qu'ils apprennent à ne pas fuguer. Mais il faut dire que ce n'est pas dans toutes les daras. Hein. Aucun signe voilà. De maltraitance, par exemple, dans les deux daras qui nous ouvriront leurs portes et nous permettront de fuguer. Un chef religieux mourit très respecté, qui dénoncera même certaines pratiques. Khalebi, ce fait qu'un dinanoko m'a une difficulté. Quand on lui emmène un enfant difficile, le marabout ne veut pas le battre. Il doit le mettre en confiance pour qu'il puisse étudier. Certains marabouts ont été battus quand ils étaient petits. Je crois que c'est la seule manière de traiter les enfants. Mais d'autres ne le font pas. Par exemple, si Riz Diakoumouré, qui s'occupe de 300 enfants, ne les a jamais maltraités. Comme Salih Touré, il y a 300 personnes. Té musta door xalem ba légui daram du am yar xalé bi d'abord mu am santé baax walu wir gui yaram walu lekkam su ko defé xalam mëna dal fo no xamanteni moy dakk sen kër yi ñu jëgé won dafay ni dimbalé ñi leen di ñi nekk ci ki bi nga xamanteni ñom ñoo leen yor en général on sait identifier les daras où les enfants sont particulièrement violentés. Mais ce sont de très grosses daras, donc ça donne automatiquement un nombre important d'enfants. Et la police ne fait rien ? Non, s'il y a un sujet tabou au Sénégal, le sujet de la maltraitance des talibés dans les daras est bien celui-là. Pourquoi est-il tabou ? Ben parce que remettre en cause le comportement vis-à-vis des enfants, c'est remettre en cause les chefs religieux. Et il y a quand même, c'est un pays musulman avec un poids très fort des chefs religieux. Pour les gens qui ont des difficultés pour nous aider à aider nos familles, Il y a des marabouts qui n'ont pas de moyens. Et certains parents de leurs enfants ont des enfants qui ont des enfants qui ont des enfants. Les marabouts ont beaucoup de difficultés pour aider les enfants. Toujours, ce qui est a toutes les difficultés pour aider les enfants.
Les petits alibés, ce sont plusieurs milliers d'enfants qui ont une activité dans la rue toute la journée et qui sont des enfants potentiels de la rue de demain. Autrement, par jour, niveau enfants de la rue, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout de lieu où dormir, qui pratiquent le diluant, qui pratiquent les petits larcins, c'est plusieurs centaines probablement. Maman, 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 mamie. Lamine Faye, yentachiko gani? Lamine Faye.